Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour Théodore. Oui, tu te rappelles? Ah oui. Ah bien sûr, on a déjà fait pas mal de morceaux de lui. C'est celui qui... Allez, dis-le, ça va, hein, je sais que t'as envie. Mais non, mais dans le temps, j'avais un copain qui s'appelait aussi Théodore. C'est vrai? Ouais, oui. On disait pendant la journée, ah, Théodore, et le soir, enfin, en fin de journée, c'était Théophile. Ah. Pour prendre son train et rentrer à la maison. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est... on rigolait, quoi. C'est marrant. Bon, le titre, c'est « Ça va aller ». On va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Il n'y avait pas un autre rappeur qui avait aussi chanté une chanson où ça va aller? Ah si, je crois que c'est Soul King. Ouais, bah, bien Dieu, aller. Il me semble que... Hein? Ouais. Ils sont passés le mot, hein? Ouais, ça fait longtemps, hein, le morceau de Soul King. Très longtemps. Bah oui, mais je vois pas du tout que ça va aller, hein. Mais c'est un réconfort, hein. Vu la conjoncture, tout ce qui se passe, je sais pas du tout... Laisse-les nous réconforter, s'il te plaît. Ouais, c'est bien sûr, ouais. Merci. J'suis dans la ville et j'vais marcher là. J'sais pas si ma vie elle est gâchée là. Et j'fais ce que j'kiffe et ça marche là. Et puis j'ai la paire maison margée là. Ils veulent tous manger dans mon plat, c'est bon. J'fais des faux sourires et fais placebo. Au fond l'avenir il est pas si beau. A chaque fois j'fais genre mais j'suis pas si bon. J'suis sûr de moi, au moins ça compense. Même si j'suis pas le meilleur, j'voudrais pas qu'on pense. J'embellis l'histoire en la racontant. J'ai fait plus de 100K, j'suis pas content. J'savais pas que j'serais bankable. J'ai mis mes démons dans des pokéballs. J'remercie le ciel, j'ai le cœur qui bat. J'ai juste sentir la douleur qui part. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. J'me sens comme un gosse qui est perdu là. J'allais tuer le boss mais j'ai perdu l'âme. Peu de choses à faire mais j'ai merdé là. J'suis au bord de la mer, t'es au bord des larmes. Les flammes de l'enfer m'auront marqué l'âme. J'l'ai gravé au fer, y'a la marque est là. Là tu fais de la merde et j'ai peur de te voir. Dans des traces de cesse ou des traces de l'âme. J'roule de la verre, j'en ai marre, j'ai le mort. Trop de choses à faire mais j'me barre, j'fais le mort. Bientôt j'vais faire mieux, bientôt j'le fais bien. J'mets tout à demain, j'le ferai pas demain. J'ai deux trois frères quand j'ai perdu la main. Là je sens que j'vais serrer, j'vais faire de la merde. Faudrait j'm'évade et j'le fais depuis un an dans les médicaments. C'est sympa, c'est une petite balade. Ça fait du bien. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'allez, il te sort une EP là, bien hard, bien sombre. Tu te dis, ah, allez, il prend les choses au sérieux là, c'est bon, on y est. Et puis il te sort ça. Ouais, mais c'est la preuve qu'il sait justement. Non, laisse te plaire. Il sait tout faire. Moi j'étais hype et tout pour la suite. Non, mais moi ça me. Quoi ça, ça? Moi ça me plaît bien. Parce que c'est, allez, c'est bien mélodieux et ça fait du bien parfois après avoir entendu certains morceaux de certains rappeurs, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est relaxant. Ouais, il faut parfois aussi des moments de relaxation, de pause. Donc, faut pas toujours non plus... parce qu'on sait que souvent, le rap, bon, ben, au niveau des textes, c'est agressif, tout ça. Et donc, ça fait du bien, malgré tout, de prendre une petite pause, comme ça, de quelques minutes, quoi. Mais je pensais qu'il allait canaliser sa musique, tu vois, rendre le truc homogène et rester dans un truc, quoi. Non. Comme son EP. C'est bien. Ben, non, en fait, voilà... Mais bon, oui, c'est pas mal, oui, c'est non, pas c'est mal. C'est la preuve qu'il sait nous faire aussi des petits morceaux, comme ça, tout, allez, bien, bien agréable, quoi. Ouais, t'es à fond dedans, toi. Oui, ouais, franchement, là, oui. Ça va aller. Putain, je commence à stresser. Ça va aller. T'es sûr que ça va aller? Ça va aller. Là, je suis censée commencer là bientôt, là. Juste après. Ah putain, j'ai raté. C'était maman. Ok, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Tu passes toute ta vie à te cacher là. Tu rends ouf. Ça va ou pas? Je continue. Ok. Attends. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Tu bédaves trop, je crois, faut que l'arrêter là. Les neurones disparaissent, elles reviendront pas. Arrête de mentir, me dis pas que ça va. Tu veux pas voir te continuer comme ça. Ah merde, tu parles pas français là. Je sais pas ce que tu veux faire. Franchement, je suis désolée. Hein. Non, continue. C'est qu'avec l'autotune, t'as une voix sûre. Vas-y. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Okay. C'est vraiment pas ouf. Ben, c'est très, très original. Très.
De quoi? Bah, le concept. Ah ouais, et le fait que la fille là... Bah, c'est pris sous le moment même, donc c'est très bien. Quoi. Oui, bien, c'est un impro. Bah voilà, donc c'est pas préparé, quoi. Non, ouais, bah, allez, ça génial. Je veux dire, génial. Si tu réécoutes ça, et quand la meuf rapplique, t'es un peu dégoûté, parce que ça nique un peu le son, tu vois. Bah non, mais je trouve le concept, ça, ah c'est, oui, non, c'est le concept, quand même c'est bien. Le seul, je crois, jusqu'à maintenant, qui l'ait fait, hein, je veux dire... De quoi? Bah justement, c'est ce concept-là, quoi. Ouais, bah, d'une justement qui improvise et qui bah oui franchement ouais, bah faire, bon, hein. C'est pas non plus incroyable, il aurait pu prendre une professionnelle qui hein, qui avait de l'expérience quoi, et non ici Ah, mais du coup ça fait qu'on coupe le son au moment où il y a la fille qui réplique parce que bah ça devient ouais, du n'importe bah, quoi c'est bien vu du ouais mais c'est pourquoi pas et il l'a fait il l'a ouais, fait ouais, il l'a fait c'est original comme tu dis ouais ouais. Bon. Moi j'aime bien tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire quoi. Ouais 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 d'accord mais bon. Ouais tu t'aurais préféré le son tout lisse avec une chanteuse qui voilà. Bah, non moi je, non non. Et en plus, moi juste Théodore j'aurais aimé en fait. Mais c'est mis en plus hein. Bon il y a de l'humour hein, la oui, phrase qu'il met à la oui. fin avec un grincement dedans donc allez non c'est chouette c'est chouette. Mais du coup c'est plus vraiment la musique quoi enfin je veux dire tu vois ça devient plus une espèce de mise en scène improvisée. Ouais, mais c'était qu'un morceau, hein, donc il va pas ouais, non, faire bien, ça mais... tous ses morceaux, hein, donc pourquoi pas. Mm. Non, je trouve que l'inventivité, ça compte aussi, quoi. C'est parce que je trouve que c'est pas très marrant, en fait, tu vois, cette addition de la fille qui sait pas quoi dire, tu vois. C'est ça que. Si c'était bien fait, tu vois, oui, ok. Ouais, mais moi, je l'ai pas pris c'est pas comme. Drôle, oui, mais ouais. moi, je l'ai pas pris en tant que quelque chose humoristique. Non, mais on voyait que, voilà, il voulait nous faire un peu rigoler, de, hein, que c'est pas quoi dire, ouais, mais qu'elle essaye faire... de son mieux, mais que ça non, va pas. Non, je sais pas, hein, il a voulu faire participer. Je sais pas une connaissance ou sa copine je sais pas ouais. mais pourquoi pas moi je trouve toujours le concept quand même c'est bien fait quoi bien fait bon bien sûr il va pas nous le faire à chaque morceau non donc hein. c'est qu'un morceau ok ça va aller bah ouais mais ça c'est sûr quoi hein. C'est peut-être une personne qui passait dans la rue et qui bah oui pourquoi pas je trouve que c'est un pote, hein. Une pote hein, mon avis. Ouais, une pote voilà une pote ouais. pote ce qui conclura la vidéo sur Théodore et je ne sais qui. Attends, on va un peu regarder là. Ah, c'est Sarah. Voilà. Voilà, c'est Sarah. Et c'est Sarah. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller.